parler de musique celtique aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Falaire-Poirou. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, tu as enseigné en Irlande et en France, à l'université de Rennes 2 puis de Nantes. Tu es maintenant professeur de civilisation irlandaise et britannique à l'université de Tours. Auteur de plusieurs ouvrages et documentaires sur l'Irlande et sa musique, et je remarque que tu es toi-même musicien et compositeur. Je propose de procéder de manière antéchronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer par la musique celtique contemporaine et que petit à petit on va revenir dans le passé. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que la musique celtique aujourd'hui? Qu'est-ce qui définit la musique celtique contemporaine? Ouais, vaste question pour commencer. Il y a des tas de formes de musique celtique différentes. En fait, ça dépend un peu du point de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'on se place du point de vue français? On va penser Irlande, Bretagne, etc. Si on se place du point de vue irlandais, c'est pas la même chose. Et si on se place du point de vue américain, c'est encore autre chose. Voire du point de vue allemand, du point de vue japonais. C'est un petit peu comme lorsqu'on essaie de comparer avec la musique baroque. C'est une étiquette. La musique baroque, c'est quoi? Bah, la musique baroque, c'est aussi bien Bach que Vivaldi, que Couperin, Allemagne, Italie, France. Est-ce qu'il y a des points communs entre Bach, Vivaldi et Couperin? Oui, certainement. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de différences. C'est pareil pour la musique celtique. Il y a énormément de choses différentes et ça dépend un petit peu de quel point de vue on se passe. Le cœur, peut-être, c'est de se dire il s'agit au départ d'un concept linguistique. Hein. Donc, les pays qui ont une langue d'origine celtique, Bretagne, Pays de Galles, Irlande, Écosse, voire Asturie-Galice, et puis la diaspora. D'accord. Donc, il n'y a rien qui véritablement unit toutes ces musiques celtiques. Il n'y a pas forcément de mode musical particulier, de style particulier qui unirait, qui homogénéiserait cette musique celtique à travers le monde aujourd'hui. Alors, quand on pense musique celtique, on pense souvent cornemuse. Bon, c'est un petit peu le cliché, mais c'est intéressant de partir des clichés, hein. Oui, effectivement, il y a des cornemuses en Écosse, en Irlande, en Bretagne, mais il y en a plein d'autres ailleurs aussi, dans des pays qui ne sont pas considérés comme celtiques. On va trouver des cornemuses en Bulgarie, etc. Ce qui fait peut-être le point commun, là, ici, c'est l'utilisation du bourdon, ce son continu, cette basse continue qu'on trouve un petit peu dans pas mal de musique celtique. Et quand on parle de bourdon, on peut effectivement voir qu'il y a eu une adaptation au XXe siècle avec l'invention d'un accordage de guitare qui s'appelle le dadgad et qui justement permet d'avoir cette basse continue un petit peu. Alors, dadgad, c'est les lettres D-A-D, G-A-D, c'est-à-dire les notes ré, la, ré, sol, la, ré. Ça a été inventé à la fin des années 60 par David Graham, le guitariste anglais. Il y a eu beaucoup d'accordages différents inventés. Celui-là est resté particulièrement utilisé dans la communauté celtique, on va dire, pour simplifier. Chez les musiciens bretons, irlandais, écossais, etc., ça marche vraiment bien. Moi, je suis pas musicologue, hein, c'est important de le dire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on apprend d'un pays à travers sa musique. Mais d'un point de vue musicologique, non, il y a quelques points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Pour prendre deux exemples simples, en musique irlandaise, la plupart des mélodies sont sur deux octaves. En musique bretonne, c'est la plupart du temps sur une seule octave. En musique écossaise, c'est le plus souvent sur deux octaves, sauf pour la grande cornemuse, qui joue neuf notes seulement. On peut dire aussi qu'à l'intérieur de musique irlandaise, il y a beaucoup de choses différentes. À l'intérieur de musique bretonne, il y a beaucoup de choses différentes. Ce sont des mosaïques et c'est intéressant parce que ça prouve qu'il n'y a pas une identité unique. Ce sont des musiques traditionnelles qui se réinventent en permanence, qui savent s'adapter à un milieu, à une période et qui continuent de vivre grâce à ça, en fait. Parce que sans s'adapter, elles ne peuvent pas survivre. Est-ce qu'il y a des groupes ou des artistes emblématiques aujourd'hui de cette musique celtique? Alors, ceux qui se réclament de l'étiquette celtique, oui, alors en Bretagne, on en connaît beaucoup. Il y a d'abord Alan Stivell qu'on doit citer en premier, puis Dan Arbraz qui représente deux vagues différentes de la vague musique celtique. Il y a aussi des gens comme Trian. En Irlande, ceux qui se réclament de la vague celtique, c'est un petit peu différent. C'est plus du New Age. Donc on a Enya, on a Clannad, ou bien un groupe comme Horselips, de rock celtique en Irlande. Clairement, le terme musique celtique date des années 70 avec Alan Stivell et en particulier son album phare Renaissance de la harpe celtique. C'est un album absolument génial. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut commencer par là. Il n'y a pas une note qui va pas. C'est un album magnifique, magnifique, absolument magnifique. Et Alan Stivell a été le chantre, le champion, le héros de la musique celtique en Europe et dans le monde. Il est connu absolument partout. Alan Stivell a tenté une approche un petit peu théorique de la musique celtique, c'est-à-dire en tentant de définir ces choses dans son bouquin « Télène, la harpe bretonne ». On en trouve des traces également dans la thèse de Erwan Chartier. Il a tenté une approche théorique qui, pour moi, n'est pas encore convaincante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de sources et de références pour moi. Sans être musicologue, je vois bien qu'il y a quand même un certain flou dans ses définitions, mais ce n'est pas grave, hein. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais en termes musicologiques, je n'arrive pas à définir la musique celtique.
est-ce que cette mouvance celtique contemporaine est une invention pure et simple des dernières décennies, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large, plus ancien? On parle souvent d'un renouveau celtique au 19e et au début du 20e siècle. Est-ce que ça vient de là, tout ça? La vague celtique, il y en a eu plusieurs. Déjà, j'ai parlé de Dan Arbraz, les années 90, Alan Stivell, les années 70. Mais avant ça, il y a eu des gens qui se sont intéressés à ce qu'on appelait l'interceltisme, le panceltisme. Et beaucoup en Bretagne, c'était des gens qui voulaient créer au départ beaucoup des liens entre le Pays de Galles et la Bretagne, en particulier avec des rencontres de néo-druidisme, des rencontres musicales, des échanges. Et puis, on a aussi des gens qui ont essayé d'adapter des choses, d'inventer des choses, de réinventer des choses même. Le Fesnoz est pas une invention, mais une réinvention en quelque sorte dans les années 50. Avant ça, on a dans les années 40 l'invention du bagad, c'est-à-dire l'équivalent breton du pipeband écossais. C'est à Carhaix, 1943, Polycon Jarret crée une association, la Bodadé Carsonérienne, l'association des sonneurs, qui va lancer la mode des pipebands bretons qu'on va appeler des bagadous. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie de la culture bretonne standard, normale. Il y a des concours, c'est un très haut niveau musical. Voilà, il y a eu des gens comme ça, comme Polyc Monjarret. Apparemment, le 19e siècle, notamment aux États-Unis, a été un moment pivot dans la création ou la recréation de cette musique celtique. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Oui, alors c'est fondamental le rôle des États-Unis au XXe siècle et au XIXe, mais essentiellement pour la musique irlandaise. Les premiers studios ont été créés aux États-Unis, les premiers enregistrements viennent des États-Unis. C'était un intérêt économique, hein, tout simplement. Les nouvelles entreprises qui ont été créées se sont dit comment on va faire pour vendre des disques ? Eh bien, on va enregistrer des Irlandais et vendre aux Irlandais. On va enregistrer des Italiens et vendre aux Italiens, etc., etc. Et donc, il y avait tout un système comme ça, y compris commercial, de démarchage qui se mettait en place. L'avantage, c'est qu'on a énormément d'enregistrements de musique irlandaise aux États-Unis au début du XXe siècle. Et puis, on a aussi beaucoup de collectage. Le collectage en particulier de Francis O'Neill, qui était capitaine de la police de Chicago et qui a beaucoup fait. C'est un musicien qui est parti de chez lui dans le comté de Cork lorsqu'il était très jeune, qui a une vie invraisemblable, et puis qui a décidé un jour qu'il voulait collecter toute la musique irlandaise. Bon, c'est pas possible, mais il a quand même fait beaucoup de choses. Et puis, il a publié plusieurs bouquins de souvenirs et de collectage, et en particulier un bouquin avec 1001 airs irlandais, qui est considéré comme la bible des musiciens irlandais aujourd'hui, The Book, comme on dit. La plupart des morceaux qui sont joués en session dans les pubs ou chez les gens sont issus de ce bouquin-là. Donc on ne peut pas sous-estimer Francis O'Neill. Est-ce que ces musiques collectées sont des créations du 19e siècle ou est-ce qu'elles s'inscrivent dans une tradition plus longue et plus ancienne ? Alors, essayer de définir d'où vient cette musique, c'est un petit peu comme se demander d'où vient la langue française, par exemple. C'est-à-dire, on peut se dire la langue française vient essentiellement du latin, pour simplifier. Et ça, c'est relativement facile à faire parce qu'on a des traces écrites. Donc on peut dire, en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, etc., on a des informations. En musique, on n'a pas d'informations. Donc on sait que les choses ont évolué. On voit bien, si on regarde la langue latine et la langue française aujourd'hui, c'est pas la même chose, il y a des points communs. Donc forcément, si on compare ça avec la musique celtique ou la musique des pays dits celtiques d'il y a 2000 ans, il y a certainement des points communs, des substrats, comme on dit, avec des couches qui se sont rajoutées, des modifications, mais on n'a pas d'enregistrement, donc on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on sait de cette musique celtique ancienne qui a été jouée au Moyen-Âge et éventuellement plutôt dans l'Antiquité en Irlande par les bardes? Est-ce qu'on a des sources? Est-ce qu'on sait ce que les Celtes, anciens et médiévaux, jouaient? Alors, on a des traces qui sont quelques instruments, on a des traces qui sont dans la mythologie, puisque la mythologie, même si elle a été rédigée tardivement, c'est-à-dire au Moyen-Âge, nous révèle des choses qui sont bien antérieures. On a beaucoup parlé de la fragmentation des nations celtiques, mais il y avait quand même une certaine unité culturelle, religieuse, etc. En termes d'instruments, on a des instruments comme les carnyx, qui sont ces espèces de grandes trompes qui étaient sans doute utilisées à la guerre, mais peut-être également pour des instants cultuels, non, on n'en est pas sûr, et qui étaient sans doute communes à toutes les nations celtiques. En termes de mythologie, on a des traces en particulier de la harpe. La harpe est l'instrument aristocratique par excellence. Le joueur de harpe, qu'on appelle le harpeur, avait un rang très élevé dans la société celtique. On a également une statuette qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a été retrouvée en Bretagne, et qui fait 40 cm, et qui représente un barde qui tient peut-être pas une harpe, mais une lyre, donc qui indique déjà l'importance de cet instrument, de ces instruments à cordes dans les pays celtiques. Puis si on déroule un petit peu l'histoire, on voit que la harpe,
était importante déjà, alors notamment en Irlande. Je rappelle que l'Irlande est le seul pays du monde qui a un instrument de musique comme symbole officiel. Si vous avez des pièces d'euros dans votre poche, si elles viennent d'Irlande, il y a une harpe dessus. Et ça, ça date d'il y a assez longtemps, hein, puisqu'on en trouve la trace déjà au XIIIe siècle dans un armorial qui s'appelle l'armorial de Weinbergen, qui est à Bruxelles aujourd'hui. On en trouve la trace dans des récits de voyageurs également, Cambrensis, Giraud de Cambry, qui a rédigé des choses puisqu'il est venu au XIIe siècle en Irlande et il était assez critique, il était même très critique de ce peuple barbare qu'étaient les Irlandais, sauf pour la musique. Voilà, et les extraits de ses textes sur la musique en Irlande sont cités abondamment parce qu'il dit « Je ne trouve de louanges à dire sur ces Irlandais que pour la musique qu'ils jouent extrêmement bien, etc. etc. » Donc voilà, on a quelques traces, mais qui sont quand même relativement limitées. Du coup, est-ce que la musique celtique moderne puis contemporaine est une réinvention totale ou non? Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre musique celtique contemporaine et moderne et la musique celtique médiévale et antique, ou on n'en sait rien en fin de compte? Ben, on n'en sait rien. Là encore, c'est une question de point de vue. J'aurais tendance à dire oui et non. Effectivement, on peut dire que c'est une invention d'un point de vue musicologique, d'un point de vue historique. Mais c'est aussi une réalité, j'allais dire, socio-économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie qu'on dise « vous faites de la musique celtique ». Donc c'est une réalité aussi, d'une certaine manière. Puis la tradition, ça s'invente. Hein. On pense bien sûr à des bouquins comme celui de Eric Hobsbawm sur l'invention de la tradition, qui sont des classiques absolus. Le bouquin de Benedict Anderson, Imagine Communities, hein, qui a été mal traduit en français par les communautés imaginaires. Imaginaire, ça voudrait dire quelque chose qui n'existe pas, alors que pas du tout. Dans la version originale, les communautés imaginées, elles sont imaginées au sens de on ne peut pas connaître tout le monde dans cette communauté, donc on est obligé de se les représenter. En un mot, commençant après tout ce qu'on vient de dire, pour toi, dans quelle mesure la musique qu'on appelle celtique est celtique? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la musique celtique aujourd'hui est une invention? Alors, oui, mais c'est très bien. Tout simplement parce que les traditions s'inventent, se réinventent, se renouvellent, s'adaptent, survivent, et si elles ne s'adaptent pas, elles ne survivent pas, donc elles disparaissent. On peut dire que oui, c'est une invention ou une réinvention, mais voilà, le football, c'est une invention, le football gaélique, c'est une invention, la langue française est une réinvention permanente. On peut effectivement considérer que c'est une invention musicologique et historique, mais c'est une réalité économique, une réalité pour certains, parce que c'est une volonté d'appartenance. Et là, on pense forcément à Ernest Renan, le fameux discours de 1892 sur « Qu'est-ce qu'une nation, c'est la volonté de vivre ensemble ». Donc il y a des gens qui ont envie de se considérer comme une unité, et pourquoi pas. Et ce qui est intéressant ici, du point de vue de l'identité, c'est que ça donne une double identité, une identité intérieure et extérieure, le fait de se reconnaître entre soi, et également de projeter une image vers l'extérieur qui dit « nous sommes celtiques ». Et c'est toujours ces deux aspects-là qui sont intéressants d'un point de vue sociologique et voire même psychologique. Si on pense qu'il y a une pureté à garder, bon là, forcément, moi, je suis pas d'accord. C'est une opinion très, 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 très minoritaire. Mais il y a quand même des gens qui considèrent qu'il faut garder la tradition telle qu'elle était. Mais ça veut dire quoi? Je dis ça parce que j'ai rencontré des gens qui considéraient que le celtisme, c'était la race blanche pure. Voilà. Donc là, on est dans l'extrémisme absolu, qu'on ne peut pas accepter, bien sûr. Et il y a des gens qui pensent comme ça, et y compris des gens qui ne sont pas aussi extrêmes, considèrent qu'il faut garder la tradition pure telle qu'elle était. Mais qu'est-ce que ça veut dire, telle qu'elle était? Ça n'est pas possible. Une tradition qui n'évolue pas n'a plus de fonction et ne peut pas survivre, donc ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il faut admettre la valeur récente du terme celtique, dans le sens de qui provient des pays de langue d'origine celtique et de leur diaspora et des gens qui ressentent une certaine filiation, un sentiment d'appartenance. Voilà. Si on considère que la tradition est restée pure et intacte depuis des milliers d'années, en fait, on lui nie sa capacité d'évolution. Et à mon avis, il faut juste comprendre que la musique celtique d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec la musique celtique des bardes anciens. Voilà, il faut l'accepter, c'est une autre étiquette, c'est une autre façon de voir les choses. Ça fait partie de l'évolution des choses. «
On comprend bien que la musique celtique, et comme tout ce qui est celtique d'ailleurs, ça pose un certain nombre, non pas de problèmes, mais d'interrogations. Et il est absolument impératif d'avoir le sens de la nuance. Et pour le coup, Eric donne vraiment l'exemple à suivre, je crois. Alors on peut ne pas être d'accord avec lui, hein. Aucun universitaire ne prétend détenir la vérité, ou alors c'est qu'il n'a pas compris son propre métier. Ce qui peut arriver, hein, mais bon, passons. Ce qu'on va éviter avant tout, c'est les opinions trop tranchées, et surtout celles qui reposent plus sur l'émotionnel que sur le rationnel, la réflexion, les preuves. Alors oui, le sentiment d'appartenance est un sentiment, hein, donc il repose sur de l'émotion, mais le boulot du chercheur, c'est bel et bien de s'extraire de ça, de se baser sur des faits, quitte à dire qu'on ne sait pas ou qu'on n'est pas sûr. Voilà, ça c'est la base. Bref, pour finir sur une note plus légère, si vous avez reconnu le morceau que je joue au début de la vidéo, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, on va voir s'il y en a qui trouvent et à quelle vitesse. Moi, je vais plutôt vous laisser, et on se dit à très bientôt. Slime.